Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur RimWorld Royalty et on va finir notre nettoyage, notre rangement et on va enfin pouvoir passer aux réparations bientôt, sous peu, dès que possible. On a déjà tout ça à faire avant. En plus de tout ça, en plus de tout ça, en plus de tout le reste. Ah, c'est terrible, terrible, absolument terrible. J'ai quand même vu que Otto a une tactique de recrutement. Alors, bah écoutez. On va mettre Otto en recruteur, surtout qu'il fera un très bon recruteur. T'es donc parti pour hamster, libellule. On verra bien. Bélier, santé, on va faire les deux opérations. On va maintenant demander à tout le monde d'aller. Ah oui, alors attendez, parce qu'ils sont pas dans les bonnes zones là. Hop là. Alors on a Julia qui fait les travaux compliqués, Gali, Payette qui fait le nettoyage, Mamzelle et Serena. Voilà. Donc Chauve, je sais que tu dors, mais tu vas transporter grenouille, libellule, tu vas. Rien du tout. Grizzly, tu vas transporter marmotte, paillette. Tu vas rien faire. Douce, tu vas transporter bonzo. Paris, non. Julia, tu vas transporter Sam. Truffe, tu vas. Truffe, tu vas rien faire. Gali, t'es déjà en train de faire des trucs dans le genre. Solo, tu transportes pas. Serena, tu vas venir transporter. Caro. Kangourou, tu vas transporter ici. Vachette, le vieux cat, vous êtes sur le point de péter les plombs. Mamzelle. Transporte. Mogène transporte. Auto transporte. Et Iris transporte. Il en restera encore beaucoup. Chauve, tu viens transporter. Ah, le clan des mers, il n'a pas apprécié. Bah, fallait pas m'envoyer des gens. Payette, non. Grizzly, tu viens transporter. Douce. Qu'est-ce que t'as, Louvre? Sur générateur géothermique. Oh, ça me plaît pas trop. Paris, transporter. Julia, transporter. Gali, transporte. Solo, tu transportes pas. Serena, tu transportes. Non, Serena, tu transportes pas, pardon. Kangourou, tu transportes. C'était réservé par Grizzly. Bah, Grizzly va en faire un autre. Ok, Julia. Tu veux venir réparer ça si c'est pas trop tard? Trop tard. Ah, super. Nouvelle recrue, libellule. Bélier, on t'a pris des trucs.
Ouais, on t'a pris des trucs, on va te libérer maintenant. Libellule, alors, comment ça va? Ça va très bien. T'as l'air d'un gentil garçon. Tu vas être cuisinier. Constructeur, fermier, mineur, forestier. Et tu vas être transporteur, nettoyeur. Voilà, donc 3. Dans 2 cuisiniers. On va t'appeler Zag. Puis tu vas être un éclaireur. Ça me va très bien, éclaireur. Alors, assignation, cowboy. Confort, comme tout le monde. Au passage. Qu'est-ce qui se passe au corps avec cette diaio pour vachette? Ok, animaux. C'est bon, assignation, c'est bon, réa. Hop là. Parfait. Briquette, j'aimerais bien que Grizzly vienne. Animal endormi. Ok, j'aimerais bien ici que l'on réactive les plats raffinés et qu'on arrête de les manger nous. Voilà. On fait du fuel avec de la viande. Ah non, mais faut plus ça. Faut plus, faut plus, faut plus. Faut faire à partir de légumes maintenant tout le temps. Capsule de cargo. Pourquoi pas? Alors, Gali, non. Mimi, tu sais pas transporter. Mamzelle, tu vas transporter. Norman, tu sais pas le faire. Julia, va transporter. Chauve, tu vas transporter. Vas-y, tu vas transporter. Douce, tu vas transporter. Solo, tu transportes rien. Oula, ça pique les cheveux. Hein. Diplomatie, super immunité, tireur prudente. Mâle de 71 ans. On commence à faire un peu vieux quand même. Hein. Sirena pique une crise de colère, ça me va très bien. Vas-y, vas-y, je t'en prie. On en a fini ou toujours pas? Non, il en reste 2 encore. Gali, s'il te plaît. Tu vas transporter. Et puis après, il faudra se mettre là au boulot. Julia, tu pourrais te mettre là. Des pirates s'installeront sur un site à proximité pour harceler. Il y a une dynamo qui peut désactiver tous les appareils électriques sur toute la région. Sans façon. Hop. On va ici réactiver. Serena est partie le faire. Julia. Bah c'est Serena alors qui va faire ça. Et Gali qui va aller chercher la dernière. Voilà. On n'en a plus d'autres. Non. Alors Zag, tu vis au sol. Mais tu vis de quoi? Défoncer Osmotif. Des Yorkshire se joignent à nous. Super. On avait une zone spéciale pour l'abattoir d'abord, avant. On va faire une zone
Ah bah toi. Voilà. Et ici. Donc dans l'abattoir. On a presque fini de brûler tout le monde, ça va être quand même beaucoup plus sympa. Fini de travail pour Norman, ça me va. Très bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Encore des trucs à ranger ici, on en a d'autres là. Solo fait pas de transport, le vieux. Tu vas transporter ça. Truc, tu vas transporter ça. Grizzly, tu vas transporter les compos. Libellule, tu transportes rien. Chauve, tu transportes l'acier. Julia, tu transportes. Norman, Imogène. Otto. Iris et Zag. Ou que c'est dégueu. C'est bien. Voilà. Alors énergie. Générateur. On va demander donc à Mamzelle perdue au vieux d'apporter ce qu'il faut. Le vieux pète les plombs là. Julie a fait le lit, ça me va. Norman, non, tu vas pas faire ça. C'est Serena qui va venir le finir. Falloir amener les choses ici. Porte-mur en calcaire. Mur en calcaire. Mur en calcaire. Mur en calcaire. Psychotique truffe. Allez, on a un lit. On va le réinstaller. Louve, tu vas apporter le lit avant d'aller te coucher. Bélier décédé, ça c'est dur. Mais décédé de quoi? S'est fait tirer dessus, apparemment. Peut-être que quand j'ai libéré, s'est fait tirer dessus par les tourelles. C'est dommage. Gali, tu vas faire fonctionner ça. Les petites capsules. Briquette, elle arrête pas de dormir. On a quoi là? Vous faites quoi? On a des trucs qui.
qu'il faut déplacer là. Capsule de cargo. Tiens, c'est pour nous. Du chocolat, ça c'est du bonheur. Ça c'est excellent. Par contre, je sais pas quand est-ce que ça va être ramassé. On a beaucoup de saleté à ramasser avant. Hein. Alors pourquoi tout ça, ça va pas là? Gali. Ah ouais, tout ça, ça peut être transporté. C'est juste que j'ai pas assez de transporteurs. Iris, elle est pas transporteuse. Zag, il est transporteur, mais pas plus que ça. Allez, le vieux. Il est transporteur, mais il faut plus de transporteurs. Louvre. Liaison chimique sévère. Qu'est-ce qu'elle a? Avec son yayo? Ah bah il va te falloir un rat. Bah ça tombe bien, on en a. On a même des poumons. Résdi, libellule. Opération. Greffer un rein droit. Pourquoi elle dort tout le temps, Briquette, là? Quand est-ce que je peux le... la tamer, l'apprivoiser? Là, on a quoi, ici? Allez, solo. Apporte le mur. Serena. Apporte le câble électrique. Le vieux apporte le câble électrique. Paris apporte les tapis. On va mettre des tapis partout. Paris, chauve, Norman apporte, Mochette apporte, Iris apporte, Zag apporte, Iris y apporte donc. Mimi. Voilà, Paris, si tu pouvais apporter le mur en calcaire là-bas. Toi, le mur en calcaire ici. Vachette. Le câble électrique qui est là. Zag, encore du tapis. Iris, toujours du tapis. Auto, les murs. Grizzly, le câble. Norman, tapis.
encore du tapis. Désorientation de Mamzelle. Ouais, mais c'est parce que t'as eu ton rein qui a été changé, je pense. Voilà, t'as changé ton rein. Faut arrêter les drogues, hein, quand même. Hein. C'est pas bien ce que vous faites. Donc, maintenant, je voudrais des bons. Des bons. Des bons. Des bons. Et des bons. Et partir d'ici, ce sera les bons. Psychotique Norman, c'est pas gênant. Faites donc vos crises. Raid du clan des mers. Très bien. On a vraiment envie que tout ça se soit fini. Ici, un piège incendiaire, non. Ça sera un piège explosif. Gali, c'est toi qui vas apporter les trucs. Serena, tu vas faire ça. Faut qu'on en finisse avec les productions. Transporte des pommes de terre. C'est plus ce que c'était. Transporte le houblon. Allez, go. Plutôt là. Gali. Tu continues à amener. Bon, bah là, ça avance bien. Ça va être propre quand on va pouvoir faire la zone de stockage qui va bien. Alors. Magali, elle va porter ça aussi. Hop là. Vachette du tapis. Le vieux du tapis. Cat du tapis. Louvre du tapis. Imogène. Iris. Zag. Paillettes, douce des murs, Paris du tapis, Julia des murs, bon Bricat, je suis ennuyé là, hein, parce que personne ne va la tamer. Elle va se prendre des baffes. Hein. Bah voilà, c'est le problème. Et hop, une jambe en moins. On va pas lui remettre tout de suite, bien sûr. Ça s'est gâché. Libellule. Tu vas soigner Briquette. On n'est pas prêt de l'apprivoiser si on la dégomme à chaque fois. Hein. Alors, Imogène. Truffe. Solo. Le vieux.
Garcia. Normalement, cette pièce, elle devrait pas tarder à se faire là. On a presque tout amené. Mur en calcaire. Zag. Tapis. Encore tapis. Ah, ça commence à faire. Ah, bah mince. Bah, maintenant faut le faire. Alors, sol, carrelage, acier. Ah oui, là on a un mur en calcaire. Voilà. Allez. Alors, on en est où ici? Ça n'a pas avancé. Gali, tu peux pas. Serena va venir faire ça. Mimigali. Alors, briquette, ça donne quoi? Va t'en remettre ou pas? Ah, l'été, on a tellement. Enfin, l'hiver, on a tellement du mal. Ouais, Serena, elle est censée construire, mais elle construit que dalle. Briquette n'est plus incapable de marcher. Bah, réveille-toi, gars. S'il te plaît. Que je puisse t'apprivoiser. Ah bah voilà, elle va faire de la moquette. Non. Tu viens ici, tu continues à bosser. Parce que là j'en ai marre, c'est Julia qui fait tout. Libellule, je sais pas ce qu'est glande. Elle mange. Elle fabrique des guenilles. Pourquoi?
Ah, parce qu'il est faux dans la bonne matière. Exact. Non. On va compter tous les ingrédients. Puis maintenant. Voilà. De toute façon, ils vont mettre les guenilles qui sont en bon état. C'est bon, Libellule. Ouais, tu fabriques des trucs, Julia. Excellent. Alors, Briquette est complètement guérie. Go, Grizzly, s'il te plaît. Aucune nourriture utilisable. Faudrait qu'on arrête de se moquer de moi parce que j'ai des légumes, des repas, de la viande. Donc comment on fait pour la tamer? Comment je fais pour l'apprivoiser puisque j'ai toutes les nourritures possibles? Ça m'énerve que ça me dise aucune nourriture utilisable. Alors que j'ai tout. J'ai de la viande, j'ai des légumes, j'ai des plats. Des rations de survie. On pourrait essayer de prendre des plats. Voilà. Non, pas celle-là. Alors. Les autorise pas. Vas-y. Ceci n'est pas une nourriture autorisable. C'est buggé. C'est un nouveau truc qu'ils ont mis au point, mais c'est buggé. Liqueur croquette. La liqueur, on en a. Hein. Je pourrais essayer de fabriquer des croquettes. Donc, Grizzly, tu vas fabriquer des croquettes. Donc là, les 13, on peut les resuspendre, mais on peut les remettre ici. Il faut tant que ça de viande.
jusqu'à chien. D'accord. Et pourquoi je pourrais pas l'apprivoiser? Libérer, exécuter, ignorer. C'est quoi la blague? Ah, Kat est en train de la tamer avec quoi? Kat est en train de la nourrir. Oh, animal endormi maintenant. Ouais, va manger ça, toi. Le trader par terre. Mais bon, elle a l'air d'en être contente. Non, fabriquer des croquettes. Terminé. Bon, alors on en est où ici? Est-ce que ça a avancé? Pas mal. Alors, Serena, tu vas venir ici. Terminer les murs en calcaire. Gali, tu vas apporter ce qui manque. Non, 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 tu vas continuer. Hop, Gali, t'amènes ça. Hop là. Alors, énergie. Il semblerait qu'on puisse rejoindre tout. Ce serait parfait. Gali. Je vais amener ça. Ok pour Serena. De vieux, tiens, puisque tu es réveillé, tu vas porter ce qu'il faut pour le lampadaire. Et Iris, puisque tu es réveillé, tu vas porter ce qu'il faut pour le câble électrique. Et la briquette là. Allez hop, Grisdi, apprivoise là, mais pourquoi? On va la libérer, ça marche probablement pas si elle n'est pas déshabillée, libérée. On ne peut pas l'apprivoiser. Et toi, Grisdi, tu peux pas l'apprivoiser, pourquoi? Aucune nourriture utilisable, ça je comprends pas. Quelle est la nourriture pour un humain? J'ai des pommes de terre, j'ai du riz. J'ai de la picole, j'ai tous les types de plats possibles. Quoique ça lui donnait des plats raffinés, on peut recommencer avec les plats raffinés.
Alors, Serena, tu peux aller faire des plats raffinés. Des moutons. Ben, s'ils veulent. Ils sont où les moutons? Ils sont là. Une caravane. Qu'est-ce qui est en forme dans la caravane? Truffe. Truffe est plus ou moins en forme. Met une caravane avec truffe. Alors, Grizzly, aucune nourriture utilisable. Il n'y a que des plats gastronomiques que j'ai pas essayé. Pemmican. Parce que les croquettes, j'en avais assez, c'est sûr. Aucune nourriture utilisable, arrête ton pemmican. Répéter deux fois les plaies gastronomiques. N'a pas assez de viande. Le fuel. Matière organique. Partir de végétaux. C'est bon. Caravane arrivée à gué du Levant. Former une caravane. Voilà. Non, bah, Briquette, je sais pas comment te. Je suis désolé. Ça pourrait être du riz, des patates, du foin. Du foin, on en a. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais aller regarder. Je vais arrêter l'épisode là, puis je vais aller regarder sur le wiki. Parce que je comprends pas. Je comprends pas quel type de. Quel type il faut. Tout autorisé. Et on va voir si ça marche comme ça. Il fallait lui autoriser la nourriture. C'est pas possible. Ah, il prend du pemmican. Ok, c'est bon, fallait autoriser toutes les nourritures avec briquettes.
Bon, on continue. Le vieux, amène-moi le mur de calcaire qui va là. Et puis surtout, on en est où de l'énergie là? Voilà. Très bien. Les animaux, vous allez à l'abattoir. Ici. Elle accouche dans combien de temps? Dans 7 jours. Quoi, briquette, les ions chimiques? Les ions de quoi? Bah voyons. On lui montrera son rein plus tard. Pourquoi celle-là, elle peut pas se connecter? C'est un peu louche. Ah, parce que c'est là. Voilà. Ici, on est bien. Tout a été construit. On est encore en plein ramassage de pas mal de choses, hein. Gali, t'exagères, dis donc. Le vieux. On n'a pas d'espace pour ranger le chocolat. Ça, c'est triste. On va mettre du chocolat aussi ici. Alors, le vieux, du coup, tu vas aller le chercher. Douce, tu vas aller chercher le débris. Iris aussi. Zag aussi. Et les libellules. Rien du tout. Alors, énergie ici. Hop là. Gali. Ben voilà, ça commence à être beau aussi. Ça va maintenant être fini extrêmement vite. On va pouvoir passer à la suite. Partie de vaisseau spatial vient de s'écraser. Ça, c'est cool. Il y en a du sang ici. Il y en a du sang. Bon, on est pas mal maintenant au niveau des ressources là quand même. On a un petit peu de tout ce qu'il faut. Ouais. Je pourrais fabriquer des choses si je voulais. Gali est en train de transporter ça, donc c'est bon, c'est que ça avance.
Alors, on va faire. Ouais, Bamster, il n'est pas encore recruté, hein. Norman, c'est quoi ça? Frénésie de travail, très bien. Il est à fond, Norman. On va pouvoir mettre une grande zone de stockage. Voilà. Alors normalement, voilà, c'est les trois. Voilà. Ici, masqué, masqué. Donc là, on va voir ces objets-là. Copier, coller, coller. Et comme ça, on peut supprimer la zone ici. Et on peut supprimer la zone ici. Beaucoup, beaucoup de travail de transport à faire par contre, du coup. Se cache dans sa chambre, 4, très bien. On a quoi? On a Paris qui pourrait amener ça? Des visiteurs. On va voir si on peut négocier. On a un lit en bois normal qui a été fait par qui? Nom de Dieu! Ah, ça m'énerve! Qu'on puisse pas choisir qui fait. Chauve, viens discuter. Alors, chauve. Le chocolat, ça vaut rien. On n'a plus beaucoup de rations de survie. On pourra acheter tes compos, tes médicaments. Et c'est tout. Et en échange, je vais te donner l'ambroisine. Et puis quelques smoke leaf. Voilà. Rien de plus. T'es sérieuse, mamzelle, tu vas clairement pas faire ça. C'est Serena qui vient faire ça. Julia va transporter ça. C'est l'entente de Athènes qui décolle.
Ok. Alors, Gali, tu vas faire ça. Encore les batteries. Plus d'électricité ici? Voilà qui est terrible. Bon là, on a hyper bien avancé dans cet épisode. Puisque là, on a quasiment construit tout ce qu'on avait à construire. Je vois plus que quelques sacs de sable. C'est tout ce que je vois à construire. Voilà. Trois petits carrés de sol. Des sacs de sable. Et ensuite, on va pouvoir passer aux réparations. Réparation, petit enlèvement ici. Et ensuite, je pourrais lancer la construction de cette salle. Avec du tissu. Non, on n'en a pas beaucoup du tissu, parce que je pensais vraiment que ça serait pas coûteux de faire tout ça en tissu, et en fait ça a été très coûteux. Donc j'ose même pas imaginer comment on va avoir du mal ici. Mais bon, pas grave. Tu sais que tu aurais pu tout faire, franchement, au point où tu en étais. Voilà, quand même, faut pas exagérer. Ça y est, le vieux, il a commencé les transports. C'est assez chouette. Bientôt les réparations. Vous faites quoi là, les gars? Ouais, c'est ça, vous venez construire. Des dromadaires. Animaux. À l'abattoir. Pareil. On a ça à construire en métal. Ça faut le ranger. Propulsion antimatière. Ben voilà, noyau central de l'ordinateur de bord. C'est là. Ouh, libellule, t'es belle. Ah, libellule, elle est toute de rouge vêtue. Je crois que c'est Santiago, là, petit personnage de dessin animé qui s'appelle, qui est tout rouge comme ça. Qui c'est qui fait les lits là? Norman, tu touches pas les lits. Si tu veux, tu peux venir démonter le lit, Norman. Folie furieuse, briquette. Oh non, vous exagérez. On va encore devoir l'abîmer. Et on verra ça demain. En tout cas, on en est maintenant au transport, au rangement, au ramassage. On est en train de terminer tranquillement l'hiver, donc on aura de moins en moins de récoltes à faire. Les récoltes nous ont pris beaucoup de temps.
et d'espace. Les champignons, je trouve que ça produit vraiment pas tant que ça. Ça devient compliqué de faire toutes nos tenues en champignons. Ouais. Il va probablement falloir que je fasse d'autres serres à champignons. Peut-être ici. On va voir. Ici. Je sais pas. Franchement, je sais pas où. Peut-être là. Quand même là, je pourrais faire une serre à champignons, je pense, ou deux. Ou là. Tout simplement là aussi. Il va m'en falloir beaucoup plus en tout cas. Et ça va coûter très cher en énergie, ça c'est sûr. Mais il me faut clairement plus de champignons si je veux pouvoir habiller tout le monde avec. Et me passer donc des cuirs de dromadaire. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite.